La chicha. Appelée aussi narguilé, désigne une sorte de grande pipa haute d'origine persane, utilisée principalement dans le monde arabe et en Iran pour fumer le tabac. Ce mec s'est parfaitement utilisé Wikipédia. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène avec la chicha? Il y a de plus en plus de personnes qui la fument et je n'aurai qu'une question. Pourquoi? Warum? Why? Alesh! Aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu fumes pas la chicha, t'es pas normal. T'es différent. Tiens, fume. Non, désolé, je fume pas. Ah ouais, il faut aussi savoir que dans la chicha, il y a du fruit. Enfin, il y a du goût de fruit, quoi. Donc quand Isaac Newton, il voit une pomme tomber, il se dit, tiens, je vais faire une théorie sur la gravité. Et ben, à ce moment-là, Mahmoud, il a vu une pomme tomber et il s'est dit, voilà, j'ai de fumée, toi. Voilà, j'ai de fumée. Oximobile, j'ai de fumée. Et il faudrait me dire, l'inventeur de la chicha... c'est un Algérien. Le but ultime d'un mec qui fume la chicha, c'est pas pour se détendre ou alors pour passer des bons moments entre amis. Non! L'objectif ultime pour un mec qui fume la chicha, c'est faire des ronds. Il a aucun autre but dans la vie que de faire des ronds. Et ces gens-là, ils font comment pour trouver un travail? On va vous rappeler. Je crois qu'on va vous rappeler. Oh, y'a aucun problème à votre aise, hein. Et puis quand t'essayes de faire des ronds, t'as l'air tellement con. Regarde, rentre dans une chicha, enlève toute la fumée et t'auras l'impression d'être dans un aquarium. Après la danse des canards, voici la danse du poisson rouge. Sur YouTube, t'as des mecs qui te font des tutos pour apprendre à faire une chicha. Mais une chicha avec n'importe quoi. Un paquet de chips, une canette, des clés. Dis-moi, t'aurais pas vu mon fils? Non. Ah ok, ça va. On est d'accord que ce sont des tutos pour se tuer la santé. Et j'ai l'impression que ça choque personne. C'est quoi la prochaine étape? Salut! Aujourd'hui, on va apprendre comment se suicider en une seule fois. Wow! Mais attention, hein, les gens qui fument la chicha, ils font très très attention à l'hygiène. Tiens, tu veux? Ah, merci frère. Mais frère, utilise ta pipette, tu vas quand même pas me mettre des microbes dans ma chicha. J'ai pas envie d'attraper de maladie. Donne-moi ça. Chef, du tabac, s'il te plaît. Merci. Bonjour, je m'appelle Logique. Alors je propose qu'on se refasse cette chute qui est totalement magnifique. Regardez-moi le geste, la gestuelle, le corps ne suit plus. Oh là là, quel talent! Quel talent d'acteur, Sabdel! Et ils utilisent des termes que t'as pas entendu depuis des années. Chef, je peux avoir un peu de charbon, s'il te plaît? La dernière fois qu'on a utilisé ce terme, c'était pour les trains à vapeur. Comme c'est dit au début, la chicha, c'est un truc arabe. Mais il y a de plus en plus de blancs qui la fument et qui vont dans des salons de chicha. Je sais pas pourquoi, mais moi, à chaque fois que je les vois, j'ai l'impression que ce sont des touristes. Waouh. Venez les enfants, venez voir, il va faire un rond. Oh là là, cet endroit est tout à fait fascinant. Et les mecs qui arrêtent pas sur Periscope ou sur Snapchat, avec leur fumée là sur l'écran. Si c'est une technique de drague, vous espérez vraiment qu'il va se passer ça? Sinon, tu fais quoi dans la vie? Oh, moi dans la vie, je fais des ronds. J'adore les ronds. Moi. Oh, mis à part ça, tu fais quoi? Bon, ça reste entre nous, mais parfois, je fais des ronds dans des ronds. D'accord, en fait, t'as une vie de merde. Évidemment, j'ai une vie de merde, évidemment. À propos de Snapchat, j'aimerais dire un truc qui n'a rien à voir. Nos ancêtres se sont battus, ont donné leur vie pour qu'on ait un monde meilleur. Ils sont morts pour qu'on puisse avoir le droit de voter, pour laisser un monde meilleur à leurs enfants, pour pouvoir être libres. Et vous, vous les remerciez tous en ayant tous des têtes de chien? Y'a le culp! Moi, à chaque fois que je vois un Snap avec un chien, je vois la personne comme ça. Regardez-moi, regardez-moi, chauffonné, chauffoufia, chauffonné. Le problème aussi, c'est que t'as des papas qui fument la chicha, mais devant leurs enfants. Les gars, vous étonnez pas qu'à 2 ans, votre fils, il va vous parler comme ça. Je t'ai répété 1000 fois que je veux que ta chambre soit rangée, alors tu la ranges immédiatement. Bref, tout ça pour dire que je ne juge personne. Si t'as envie de fumer, fume. Si t'as pas envie de fumer, ne fume pas. Mais si c'est possible, ne fume pas ta santé. Punchline! Papa, 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 papa! La mixtape sort bientôt, allez la choper! Pa! Ah ouais, j'ai oublié. Dieu vous bénisse.